Yo tout le monde, c'est Swan et aujourd'hui on saute encore pour jouer à Cuphead. Prendre Cuphead. En gros, ce jeu-là, c'est deux tasses. Oui, c'est deux Cuphead, voilà. Qui affrontent plein de trucs et bon. Je vais mettre l'histoire. En gros, c'est un univers assez marrant. Et il y a même une série qui est sortie sur Netflix. Du coup, je me suis dit, bah go rejoue au jeu. Regardez. Ne faites pas d'échange avec le diable. C'est une fois dans une contrée enchantée appelée Yakuarei, deux frères nommés Cuphead et Mugman menaient une vie insouciante sous le vigilant du sage Samovar. Un beau jour, malgré nombreux avertissements du sage Samovar, les deux garçons s'éloignèrent de chez eux et s'égarèrent. C'est ainsi qu'ils entrèrent dans le casino du diable. Oula. Et Cuphead et Mugman s'adonnèrent au cran avec une chance insolente. Nom d'un faux jeton, s'écrie Orodédé, le gérant véreux du casino. Ces gars-là ne perdent jamais. Je vais partir, les amis. C'est ce qu'a fait une voix. Les deux frères sursautèrent. C'était le propriétaire du casino, le diable en personne. Je propose qu'on augmente les mises, se dira-t-il avec un sourire carnassier. Si vous gagnez au prochain lancer, toutes les richesses de mon casino sont à vous, tonna le diable. Mais si vous perdez, je remporte vos armes. Marché conclu. Cuphead, avide d'argent facile, hocha la tête et s'empara des dés. Par pitié, Cuphead, non! S'écria Mugman, conscient de ce qu'il risquait, mais il était déjà trop tard. Ah oui, Mugman! Deux ricana le diable en tapant du pied. C'est perdu! Il s'approcha des deux frères qui tremblaient de frayeur. Par ici, les âmes! Les frères tombèrent à genoux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour payer notre dette? M'habitua Mugman. Par pitié, monsieur! Ajouta Cuphead. Il me jetait son idée, grogna le diable en exhibant un parchemin. Ceci est la liste de tous mes débiteurs en fuite. Rapportez-moi leurs âmes et je vous pardonnerai peut-être. Allez au boulot! Monsieur le diable, il faut qu'on brutalement apporte jusqu'à demain minuit pour récupérer toutes ces âmes. Faute de quoi, je prendrai votre. Transit de frayeur, Cuphead et Mugman prayeurs jambes à leur cou. Viens, Mug, à l'état Cuphead. Il faut aller voir le sage Samovar, il saura nous conseiller. Ok, c'est parti! On y va du coup. Ah oui, regardez, c'est comme ça le jeu. Vous êtes mis dans un sacré pétrin, les enfants. Je ne me doute que vous ne voulez pas jouer au jeu du diable. Mais si vous refusez, je n'ose pas imaginer ce qui vous attend. Des obtempérés pour le moment, allez chercher des pactes, préparez-vous à en baver. Vos amis et débiteurs ne vous accueilleront pas à bras ouverts. J'imagine qu'ils se métamorphoseront en bêtes monstrueuses. Prenez cette potion pour affronter ses adversaires coriaces. Il donnera d'incroyables pouvoirs magiques. Allez dans mon bureau et utilisez un crier mystique que vous y trouverez. Vous devez vous préparer à vous battre. Ah, détective. Ah, donc ça, c'est le tutoriel. Ça, c'est le tuto. Regardez. En gros. Ok, et on peut s'accroupir. Ça, c'est pour tirer. Ok, on peut faire des sauts. Ah, on peut faire une ruée aussi. Ça, c'est pour descendre. D'accord. Tirer. Ok, je peux. Ok, se figer. Ah, d'accord, ok. Oh, je peux faire des. Ah oui, je peux faire des paris aussi, ouais, c'est vrai. Ah, je peux aussi faire des paris sur tous les trucs qui sont roses. Attack X. Ah oui, d'accord, ok, c'est pour faire une giga attaque. Et les pièces. Ok. D'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. Il y a des pièces en gros pour acheter des nouvelles armes. J'ai déjà joué au jeu, du coup, je me rappelle un peu. Alors, je me souviens de quelques petites astuces. Donc, regardez en gros. Ouais, si je me souviens bien, il y a une petite astuce. Attendez. Non, pas ici. Non, on va rien. Genre, la première petite astuce, si lui, je parle. Ce gars, vous êtes mis dans le beau drap, hein. J'étais comme vous avant, toujours dans les problèmes jusqu'au cou. Courir, c'était tiré. Maintenant, je préfère me balader et aller au cinéma. Mais je peux bien vous aider. Tenez, c'est pour vous. Trois pièces! En gros, trois pièces, ça permet d'acheter des trucs. Il y a un parchemin. Alors regardez, donc un niveau. Je vais d'abord aller au shop pour acheter le truc le plus important. Welcome. Alors attends, voilà, c'est ça. Canardière. En gros, il y a des armes aussi à acheter. En gros, je vais vous montrer ce que ça fait. N'oubliez pas de vous équiper de vos nouveaux achats. Regardez votre carte d'équipement. Ok, du coup, la carte d'équipement, c'est. Donc là, j'ai l'arme A. Donc là, le super. Non, c'est ça. Le charme. Les épaules. Ah zut, non, j'ai pas pris mon truc. Et moi j'ai pris une arme et un fusil à pompe, mais je voulais pas penser à. Du coup, on va commencer par le boss. Gros légumes. Je vais mettre en mode normal parce que ça permet de récupérer des pactes d'âmes. En gros, je vais vous expliquer. Du coup, j'ai eu mon arme normale. Voilà, je suis obligée d'avoir. Et j'ai eu sans faire exprès.
Voilà un fusil à pompe. En gros, c'est ça, voilà. Les meilleures armes normales, c'est ça. Ok. Alors, il est pas, j'y connais tous. Enfin, j'y connais tous, mais pas par cœur. Ok. Du coup, je peux faire des paris sur les trucs roses. La patate, je sais comment éviter. C'est pas, en fait, sur ce combat-là, il y a trois boss. Il y a lui, il y a un autre après, il y en a encore un autre. Oh, c'est bon, j'ai battu, regardez. Donc, j'ai battu. Oh, elle est toute germée. Ok, du coup, la deuxième, voilà. Là, c'est un oignon. Et j'ai spammé comme ça parce que ça fait plus de dégâts, du coup. Regarde, il y a ça aussi. Wow. Attends, oui, du coup. Ah oui, au fait, il y a trois vies. J'ai oublié de dire. Bon, pour ça, en vrai, ça va m'être utile. Bon, celle-là, c'est la plus dure. Oula. Ok, non mais... Comment on appelle quelqu'un qui a trois yeux? Parce qu'un œil c'est cyclope, mais... Oh, ça fait du dégât. Ah... Meurs! Non mais il est invincible. Meurs, s'il te plaît. Je n'en peux plus. Meurs. Ah, voilà, enfin, quand même. Ah, il était indestructible, c'est gars. Ok, du coup, c'est bon, j'ai battu le premier boss. Et du coup, regardez, j'ai un pack d'âmes reçu à bande des tubercules. D'accord. Oh, une pièce. Coucou. Je ne suis pas de ces idiots qui passent leur fric à la banque. Pour ce que j'en sais, il y a ma contrôle aussi. Bon, pas mon or adoré si j'en cache un peu partout. Si un kidam trouve une pièce ou deux, tant mieux pour lui. Voilà ce que je vais dire. Oui, pour lui, parce qu'il y a des pièces, à cacher un peu partout. Comme il a dit. Un poisson qui pêche. Alors regardez, ici c'est cool. Danger au dancing. Là c'est un boss, pour moi c'est le boss préféré Néo. Mais c'est aussi un boss hyper dur. Regardez, gros, regardez qui c'est. Deux grenouilles. Ils vont être chauds à battre. Oh, arrête d'en envoyer plein. Alors toi tu fais quoi déjà? Ah oui c'est ça. Shoryuken. Alors le truc c'est que ces deux boss se partagent leur PV. C'est-à-dire qu'ils vont être battus en même temps. Et que si un gars a moins de PV que l'autre, ils vont s'en donner quoi. Pour qu'ils aient toujours les mêmes PV. Bon là je me souviens de cette phase. Faut faire comme ça. Oh attends, il a reculé. Dégage, dégage. Voilà, voilà, ça fait mal. En vrai cette phase là je trouve que c'est la plus facile. Parce qu'elle peut très bien éviter. Regardez, donc là en gros il se prend des dégâts. Il se prend du dégât. Ouais, à mon avis, je pense qu'ils vont bientôt passer en phase 3. Hein. Ah, j'aurais fait beaucoup de dégâts quand même. Ouais, je crois que c'est bon. Ouais, ouais, en phase 3. Donc là, regardez, et là, c'est la phase la plus dure. Il y a une grosse machine à pièces. Et bon, ouais, on va lancer des pièces. Ouais, je dois faire ça. Ok, du coup, maintenant, c'est quoi? Ok. Ok, ça va, bon, ça, c'est facile. Ouh, non, 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 il y en a aussi en bas. Oh. Ah, il me lance des trucs de flamme. Ok, c'est bon, j'ai aussi. Alors là, c'est que le deuxième boss du jeu pour moi, mais il est déjà très compliqué. Ça, c'est quoi? Oh. Ah. Mais c'est hyper chaud. Il y en a combien? Ok, c'est bon. Oh. Ah, sérieux. Tiens. Voilà. Il me semble qu'il n'y a pas trop de vie comme ça, enfin j'espère. C'est quoi ça? Oh. Ah, ça c'est des... Ouais, c'est des plateformes, mais ça va, c'est des trucs plus faciles, non? Oh, c'est bon, j'ai battu! Alors lui, c'est la première fois que je bats, hein. Lui, celui-là, c'est la première fois que je bats. Je suis content, j'ai déjà battu mon record. Ok, donc là, ça va. Et normalement, j'ai fait pas mal de paris. Bonus PV. Donc là, le temps, ça va. J'ai pas pris beaucoup de temps, normalement. Bonus PV, parade. Attends, aucune parade! Du coup, j'ai quoi? C'est plus. C'est pas très bien. Donc ça va, je suis déjà content d'avoir les avoir battus parce que j'avais vraiment du mal. Ok, en gros je dois faire des parades pour battre les fantômes, apparemment.
Du coup, là, je dois sauver une jarre pour obtenir un super power. Regardez. Donc, regardez, ici, il y a des fantômes. Hop, j'ai battu. Et parce que ça fait rien de retirer dessus. Oh! Oh, ça va, en vrai, c'est facile. Il y en a des faciles, il y en a des plus durs. Wow, tu fais quoi, toi? Il y a des petits grands-pères fantômes. J'aime bien un peu la musique. Ok, c'est bon, j'ai réussi. D'accord. Je te m'assure, en vrai. Regardez, là, j'ai un pouvoir. Oh, je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir sauvé. Mais je suis d'une impolitesse, je ne me suis même pas présentée. Répète à Kaïs et Jondé, enchanté. J'étais en quête de magie quand ces fantômes m'ont capturé. Par magie, acceptez ce présent et devrait vous aider. D'autres mausolées sur Yakuara, je me demande. Gros, sur chaque monde, il y a un mausolée où je peux avoir un super power. Donc là, regardez, j'ai un super power. Et j'ai cassé le mausolée. Quel nouveau super. Bonté divine, n'oubliez pas de vous équiper des super pouvoirs dans le menu avant de les utiliser. Regardez, donc super pouvoir, super, voilà. C'est du coup rayon d'énergie. C'est cool ça aussi. Alors là, ce que je dois faire. Ah oui. Alors regardez, et du coup, vu que j'ai eu un A, regardez, j'ai un drapeau jaune. Ok, normalement, voilà. Ça, c'est un niveau. Ça, c'est un vrai niveau. Du coup, ça, c'est un vrai. Et le niveau c'est dur, il y a plusieurs parties, genre celui-là c'est le premier et je reconnais parfaitement. Par contre j'aurais bien fait de prendre deux autres power, hein. Regardez, il y a des monstres, dégage. C'est la forêt en fait. Oh, il peut sauter. Oh, attendez, regardez, il y a des pièces. En fait c'est pour ça que les niveaux sont faits, principalement c'est parce que tu peux récupérer un max de pièces dedans. Il y a eux aussi là. Alors eux par contre, je sais pas comment les détruire. Hein. Enfin, il me semble qu'il faut les retirer une fois dessus, mais bon, ils sont durs à viser. Ah oui, regardez, là, j'ai réussi à en battre un. Ah oui, mais il se régène. Allez. Ouais, il m'a balancé un truc. Ok. Ouais, toi tu fais rien. C'est quoi ça? Ouah! Et non, ici, il rigole pas, les fleurs ici, hein. Oh, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Regardez, c'est que ça sert à rouler. Ouais! Dégage! Ah! Je suis en train de me faire exploser. On va pouvoir utiliser super pouvoir. Ah, c'est ça qui est contrôlé. Regardez, donc ça, c'est super pouvoir. Ouais, ça a bugué. Attendez. Là ça a bugué, ah non c'est bon, ok. C'est bon, du coup j'ai détruit la machine. Oula. C'est chaud là. Ok. Ok, un petit champignon, tiens. Vas-y. Ok, c'est bon, ok, j'ai réussi. Pfiou. Bravo. Yeah. J'ai réussi le premier niveau. Eh, c'est chaud déjà. Ok, du coup, premier niveau réussi. Sur 3, parade, parfait. Pièce d'or aussi, habité. Oh, mais j'ai plein de trucs bien. J'ai quoi? Un plus! Fichtre, un score parfait! Oh, j'ai eu un score parfait, je suis tellement content! Génial, j'ai eu un super score. Ah, trop bien. Alors, ok, du coup, il y a 15 moments à TPN, mais bon, c'est bon. Regardez, c'est lui, boss! Regardez, c'est pour ça que je dis qu'il est un peu horrible. Alors. Ok, regardez, du coup là, deuxième phase. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de phases, notamment celle-là que je suis trop difficile. J'ai failli mourir. J'ai failli mourir, mais. Ces petits monstres, c'est assez petit. Alors, hop, on y va.
Regardez, il y a Power. Oh, elle m'a fait une tornade, j'ai aussi évité. Ah, non, mais sérieux, mais arrêtez mon petit gars. What? C'est quoi ce livre? Non, mais c'est la tête chercheuse. C'était évité. Je suis presque déjà. Hein. Ok, tornade. Allez, vas-y, je vais passer à la dernière phase. Oh, je l'ai détruit pas mal là. Oh, c'est bon, regardez la dernière phase. Ça va être chaud. Oh non, mais j'ai les étoiles. Tu as perdu trop tôt, je n'étais qu'en 2001. Mais les vannes, en fait, quand tu perds, les boss ils te font des vannes, mais genre, des fois ils te font des vannes. Enfin, des vannes, mais genre, tellement pas drôle, genre, c'est là quoi. T'as envie de les gifler quoi. Allez, mouton. Mouton, en vrai, ça. Va. Ouais, ça va. Ouais. Avec A1, c'est la phase la plus difficile. Bah, non, c'est pas la phase la plus difficile. Elle m'a fait un double, hein, elle m'a fait un double. Oh non. Non, j'ai appuyé sur mauvaise touche. Mais ça va, en vrai, je peux faire avec une seule vie. Ah non, pas celui-là. Ensuite, t'es obligé de perdre une vie ou deux vies minimum. Parce que c'est pas... C'est pas ce qu'on peut varier. C'est pas... Les nuages me tuent. Vous savez quoi? On peut réessayer, je vais essayer parce que j'ai perdu une vie débilement là. Attends, elle me dit ha. Et ça compte comme une attaque? C'est quoi ça? Ok, donc là c'est mouton. Ah mais ok, elle m'envoie des constellations de... Elle se transforme en constellations. Oh non, mais sérieux. Oh, je déteste ces trucs. Oh non, mais sérieux! Mais c'est une scène, cette phase! C'est une phase un peu dure! Avec ces petits robots là! Ils sont invincibles en plus! Oh, oh, j'ai failli faire un giga move! Sont les petits robots? Sont les petits robots que je les expose? Regarde, je peux me mettre un tout petit. Ok, mouton, c'est parti. J'ai pas perdu de vie. Ouais, il faut pas que j'y perde toutes non plus sur le mouton. Hein. Il va me faire un. Dernier, allez. Merci. Ok, c'est bon. Et t'en as aussi, c'est assez tire-chose. Meurs. Voilà. Tryhard. Attends, il y en a fait. Ah non, ok, c'est la deuxième. Ok, ça va. Cupidon, ça va en vrai. Cupidon, c'est pas assez dur. Juste éviter la flèche et après ça va. Hein. Enfin, la flèche, ça va, il est facile à éviter. C'est bon. Ces trucs à tête chercheuse, ils sont pas hyper résistants à la tête chercheuse. C'est sa dernière flèche, ça non? Ah non, c'est pas la dernière. Ah! Je peux pas partir. Meurs! Je vais à phase 2. Ouais, le move que j'ai fait. Tu meurs là? Ah, c'est bon, enfin. Regardez, il y a ma paix change. Je peux pas détruire les étoiles. C'est quoi ce délire? Non, mais il y a des juifs. Mais à un moment donné, c'est bon, hein. C'est abusé, le truc qui a écran. Ah non! Oh, j'ai battu! Oh là là là. Non, mais celui-là, il était abusé. Il était abusé, celui-là. Non, mais celui-là, il était incroyable.
Bon, alors pour finir la vidéo, je vais faire un dernier boss qui me terrifie. Vraiment. Je trouve qu'il est hyper flippant. Et qui est super fort aussi. Ah, B, c'est bien ça. Franchement, moi je m'attendais à moins quand même. Ça fait qu'une para non plus. Ok. Ok. Et du coup, regarde. Ok, Idaberg. D'accord. Alors le deuxième niveau, je vais pas tout tout de suite parce que. Oh, j'ai merci. Ok. Non, ok, lui c'est un gars comme moi qui a dû se battre contre tes débiteurs. Il y a une pièce. Mais c'est pas pour parler à toi. C'est pas pour parler à toi, mon gars. Oh, j'arrive pas à prendre la pièce, c'est dommage. Oui, du coup, on va ici, hein, un joli parterre de feu. Fleur en furie! Êtes-vous prêts? Ça va être chaud. Ça va être très 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 chaud. Ah, oh! Oh là là là! Ça va être très chaud. Ok, ouais, bon, on va commencer et on va cesser. C'est plus lent, ah! Mais on en voit combien? Ah non, mais on va. Ah! Ah, c'est quoi Zéir? C'est quoi ce truc là? Oh! Non. Non, mais c'est. Ah! Sérieux? Et là, c'est qu'à la phase 1, regardez. Non. Oh, sérieux? La manip? Oui! Ce boss, pour moi, c'est un des plus difficiles du jeu. Voilà. Je dis. Pour moi, c'est un des boss les plus difficiles. Quand en gros je suis en phase 2, c'est la phase la plus facile. Ah ouais, il y en a normalement, on est en phase 3. Il me semble. Phase 3, c'est parti. C'est parti. Voilà, c'est ça le truc. Position fatale et domination totale. Ok, bon. Bon, je retente encore une fois. Si elle, je gagne pas, genre. Il est tellement chaud ce boss. Le truc, c'est qu'il m'envoie plein de. On voit plein de monstres différents. Et il y a ceux-là, là, les volants. Bon, ça t'apparaît ou tu disparais? Faudrait te décider. Hein. Oula, j'ai failli perdre une vie exactement comme la dernière fois. Quoi? Ah! J'ai compris ce qui m'a fait des dégâts. Oula, je suis en train de perdre toutes mes vies. Je l'essaye. Et c'est ma dernière fois, mais parce que ces graines, elles sont épouvantables. Ce qui est bien sur la dernière phase, c'est qu'il invoque plus ces graines et un démoniaque. Regardez, mais il y en a plein. Il y en a partout. Ça prend des heures de tous les éliminer en plus. Ok, tiens, toi. Hop, et éviter. Qu'est-ce que tu dis ça? Wouhou! J'ai pas le temps de voir parce qu'on a très capable. C'est moins fort. Ok, deuxième phase. Donc là, je dois me concentrer pour pas perdre. Oh, sérieux? Non! Troisième phase. Oh, non, mais sérieux, puisqu'il y a au pixel! Mais c'était soit l'un soit l'autre. Hein. Mais je ne peux pas! Je peux pas! Il n'y a pas d'espace! Non, non. Bon, et dernier try! Dernier try! Non, mais ça c'était abusé. Non, mais il n'y a aucun espace! Comment tu veux que j'arrive? Oh non! Pff.
Non mais il y a aucun espace. Non mais franchement, tu peux aller nulle part quoi. Bon ça c'est vraiment, c'est vraiment une attaque bonus quoi. Et c'est à rien quoi. C'est pas de grain ici. Non mais par contre aussi ça c'est au pixel près. C'est pas très pratique pour les shoots. C'est bon, je détruis toutes ces graines là. Non mais sérieux, mais pourquoi il a shooté là? Ok, si je relance des graines. Ok, dernière phase. Si j'arrive à tuer tous ces trucs, j'ai gagné. Enfin, j'ai pas gagné, mais bon. Quoi? Non, c'est même pas fini! Mais. S'il te plaît, mais Non, mais c'est la phase 1 en plus dur! Merci. Ça m'a fait éviter un truc. Ah! Puis c'est prêt. Ok, c'est bon. Bon, ça va s'en faire un de moins. Deux de moins, même. Ah non mais impossible, impossible. Bon c'est bon, il y a plus de graines là. Ouais, c'est bon, je peux avoir un peu d'espace. Il me fait peur hein. Oh j'ai battu. Oh regardez comme il est horrible. Oh j'ai battu. Oh là. Non mais mes mains elles transpirent. Je me peux pas se parler. Je m'en fiche si j'ai une note nulle. Oh moi j'ai battu ce gros tas. Il était abusé celui-là. Je suis trop content. Ok du coup, j'ai le pacte. Alors c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Franchement j'ai adoré, le jeu était super. Enfin franchement en mode normal, c'est vrai que c'est insane hein. Il y a les fleurs là, c'était insane. Et sur ce, à la prochaine.